Bonjour à tous, Django pour Mac Journal 77. Je me trouve actuellement sur la commune de Lilly-sur-Ourcq où a lieu la deuxième édition de la fête du printemps. Je vous propose de voir les artisans et les producteurs exposant cette année à la fête du printemps. Alors, je m'appelle Jean Payen. Oui. Je travaille sur l'ANI. Et vous êtes l'auteur du coup de toutes ces œuvres artistiques. Oui. Vous utilisez différents matériaux. J'utilise comme matériau du vinyle, ouais, que je découpe et que je coupe, et que je colle, pardon. Et puis par rapport aux unes des journaux, donc j'essaye de. Par exemple, si vous prenez celle-ci. Donc là, en fait, c'est la une du journal du lendemain des événements qu'il y avait eu à Charonne. Donc où il y a eu les morts dans le métro, et donc les 7 morts, et donc j'ai fait 7 papillons. Ouais, ok, d'accord, pour représenter... Ouais, et donc, la... à chaque fois, il y a quelque chose qui... C'est une qui représente un événement politique, oui, ou un événement, la mort de Kennedy, la mort de Jaurès aussi. Ouais. Donc voilà, là c'est la une du lendemain de l'assassinat de Jaurès, et c'est pour ça que là j'ai fait... Jaurès, voilà. Donc en fait, vous alliez artistique et politique. Oui. Et là, par exemple, sur quasiment toutes vos œuvres, il y a du vinyle qui est présent, oui, sauf sur celle-ci. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Oui, parce que alors celle-ci, je vais vous l'expliquer si vous voulez. Je veux bien. Alors, il y a 4 couleurs de crayons. En fait, si vous connaissez le chanteur Hugo Frey, il chante une chanson qui s'appelle Les crayons de couleur, où c'est un petit garçon qui lui demande comment on peut dessiner un homme, et il lui dit en bleu, en rouge... On viendra lui voler sa terre. En jaune, il aura faim toute sa pauvre vie. En noir, il n'aura pas de liberté. Et en fait, cette chanson, il l'a chantée en 64 devant Martin Luther King, Hugo Frey. D'accord. Donc c'est pour ça que là, on retrouve ici l'assassinat de Martin Luther King. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire les crayons de couleur. C'est un mélange d'esthétique, de politique, de plein de choses en fait. Il y a un peu de tout là. C'est là, vous avez comment... Là, c'est quand il y a eu les événements à Charlie, donc quand Cabu a été... Et donc là, j'ai voulu représenter donc Cabu qui est décédé, et donc il y a un ange qui s'en...